Taisez-vous. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Silence. Vous six, c'est votre troisième avertissement. Je suis tannée. Ce soir, vous resterez en retenue dans cette classe. Six retenues dans la classe 11. Donc 6 fois 11 égale 166. C'est le chiffre du diable! Oh non, pas le diable. Il va me tuer, torturer ma famille, puis voler tous mes bonbons d'Halloween. Moi, j'ai pas peur du diable. Le 666, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. De quoi vous parlez? 666, c'est la combinaison de mon cadenas. Est-ce qu'on peut vous apporter des fleurs pour ce soir? Apporte donc tes fleurs au diable, voir ce qu'il va te dire. Vous êtes tellement belle lorsque vous êtes fâchée. C'est pas en flottant que tu as échappé à ta retenue. On se revoit ce soir. C'est vraiment inquiétant d'être à l'école le soir. Pensez-vous qu'il y a des fantômes? Comment peux-tu avoir peur dans une école? Il se passe jamais rien dans une école, il n'y a pas de diable ici. J'avais justement pensé qu'on pourrait appeler des démons ou des esprits. Arrête de dire n'importe quoi, c'est ta faute si on est en retenue. C'est stressant. Parlant d'esprit, pensez-vous qu'ils peuvent ressentir l'amour? Ah, c'est drôle que tu parles d'esprit. Le dernier que j'ai rencontré, je lui ai chanté la pomme. Chanter la pomme? Tu veux dire que tu as mangé une pomme? Ça se chante pas une pomme, ça se cuisine ou ça se mange. Franchement, tu connais pas l'expression « chanter la pomme vieillie un peu ». La prof n'a même pas gardé talent contrairement à moi. Peut-être que mort-vivant lui a volé son âme. Hey, je croyais que ça allait être Madame Léane qui serait là ce soir. Pour une fois que t'es pas perdue. Je remplace votre enseignante, je ne veux rien entendre. Sortez vos feuilles. C'est ma voisine. Si j'étais vous, je ferais pas de souper aux chandelles avec elle. On raconte qu'elle utilise des enfants comme cobayes. Elle fait des expériences pas trop légales. C'est quoi un cobaye? Moi, j'aime ça, les cobayes. En gros, si elle t'attrape, elle va te prendre et faire des expériences scientifiques louches sur toi. Vous parlez sans lever la main? Vous en subirez certes les conséquences. Assez perdu de temps. On commence à dicter. Un jour... virgule... 6 élèves très tannants en retenue avec un remplaçant, virgule, subiront les conséquences de leur comportement. Point. Ils seront transformés en toutous. Six élèves en retenue. Est-ce qu'elle parle de nous? Je reprends la dictée. Ils seront transformés en toutous à la fin de... Six élèves en retenue? Elle parle clairement de nous. Faut pas être un génie pour deviner. Je vous l'avais dit qu'il était bizarre. Madame, il me manque des mots. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ils seront transformés en toutou à la fin de ma phrase. Point final. Enfin, les nouveaux spécimens. Espérons que ceux-ci survivront plus longtemps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est étrange, il y a beaucoup d'absents ce matin. Ouais, ce sont les six que vous avez mieux retenus hier. Bonjour. Allô, je suis le père de Laurent. Il n'est pas rentré hier. Est-il dans la classe? Savez-vous s'il a dormi chez un ami? On a appelé la police hier. Il paraît que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. En effet, il m'en manque 5 autres. Je vais voir ce que je peux faire. Bonne chance. Appelez-moi si vous entendez quelque chose. Parfait. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Elle est où la sorcière qui les a enlevés? Bon, on s'en fout, là. Moi, j'ai faim. Quelqu'un a des chips ou du chocolat? T'es pas drôle. Moi, je parie qu'ils ont fait une fugue. C'est tellement le fun de faire des fugues. Hein? J'ai vu que Elisabeth m'a texté hier à l'heure de la retenue. C'est écrit SOS Armoire. Regardez leurs accessoires, c'est clairement les 5 qui étaient en retenue hier. Il n'était pas 6 hier. Pas de panique, cherchons le 6e élève.
Je l'ai trouvé. Yes. Un jour, six élèves très tannants, en retenue avec un remplaçant, subiront les conséquences de leur comportement. Ils seront transformés en toutou à la fin de ma phrase. Non, fallait pas la lire! Le sixième et leur enseignante ont disparu à l'école des Monarques. C'est l'école où je travaille. Scène 1, plan 1, prise 1. Certain? Oui. Ok. Ouais, non. Ah, ça te fait rire. Scène 1, plan 2, prise 1. Quoi, tu ris? Je ris pas. Ok. Silence, mais taisez-vous! Oupsi. Ok, c'est pas grave. On coupe pas, on recommence. Et silence! Taisez-vous! Vous, c'est Vous, c'est votre troisième avertissement. Oh, attends. Oui, c'est super, mais prends ton temps. Oh non! Pas le diable! Il va me tuer, torturer mes parents et... Oh non, attends. Ah, non, bon. Non. Super. Puis voler tous mes bonbons d'Halloween. Je sens un peu observé. Ok. Oui. Moi, j'ai pas peur du diable. Le... Ok, merci. Scène 1, plan 7, prise 1. Ça, c'est beau. Là, c'est un autre phrase. Juste avant, est-ce qu'on peut. Ben, juste ça, carrément. Oui, vas-y. Je dirais qu'elle t'arrête. Maintenant? Oui, oui. Vous êtes tellement belle lorsque vous êtes fâchée. C'est pas. Scène 2, plan 1, prise 1. Tes cheveux. Oh, tu claques. Ok. Comment peux-tu avoir peur dans une école? Je porte jamais rien dans une école. Comment? Non, je... Deux. On reprend la même qualité. C'est Elisabeth Crocantou. Vas-y. Parlant d'esprit, pensez-vous qu'ils peuvent ressentir... Regardez. Ouais. Regarde les... C'est quoi, le mot? Désolée, je suis montée. Okay. Ah, c'est drôle que tu parles d'esprit le dernier, c'est il toi qui parle. Mais... Scène 3, plan 3, prise 1. Tu t'appelles? Oui. 11. Scène 1, plan 10, prise 1. Scène 3. C'est ça que j'ai dit? Scène 1. Ouais, t'as dit scène 1. Ouais, bon, oui. Scène 3, plan 10, prise 1. Scène 3,
Plan 11, prise 1. T'es certaine, là? Oui. Sûr. Action. Attends. 2, 3, action. Scène 3, plan 12, prise 1. Alice, prends ta place. Je suis à ma place. Pas toi. 2, 3. Voisine, si j'étais vous, je ferais pas de souper aux chandelles avec elle. 2. Ma voisine, si j'étais vous, je ferais pas de souper aux chandelles avec elle. Okay, on raconte qu'il. Si tu veux pas une technique, 2, 3. C'est quoi? Attends, c'est Alice qui va. Oui. Ok, bravo, bravo! Wouh! Wow. C'est ma voisine. J'étais à la place. Souris pas. Souris pas. Souris pas. Pete. Ok, après ça, je vous l'avais dit. Oh. Bonjour, c'est... Bon, là, j'ai le micro. Une ciel qui dit ça. Bonjour. Je suis le père bon, de... regardez, excuse. Ouais, c'est parti. Bon, on s'en fout, là. Moi, j'ai faim. Quelqu'un a des chips ou du chocolat? On s'en fout, là. Moi, j'ai faim. Bon, on la reprend. Ouais. T'es pas drôle. Moi, je parie qu'ils ont fait une fugue. C'est tellement le fun de faire des fugues. Hein? J'ai vu que... On peut recommencer. Scène 6, plan 2, prise 1. OK. C'est dans les plus larges possibles. Hein? J'ai pas dit action. Alors, les Elzatrice, tu peux le faire. Ramzi, non, il est pas là. Deux. Trois. Non, vraiment, ouais. Regardez leurs accessoires. Regarde. Ouais, je vais rater. Scène 6, plan 7, prise 1. Oui, très. OK. Trois. Ils seront trois. Non, allez, je te vois. Bon, fallait pas la lire. OK. Scène 6, plan 9, prise 1. Tes cheveux. OK.